Enfin, j'ai fini de construire mon plateau. Maintenant, on va pouvoir faire les cons. Yo, commençons par un vol. En France, allez, ça va être toujours la même chose comme dans les journaux. Ou un film. Ou enfin bref, on s'en fout. Ah, ça c'est mieux. J'explique. Trois jeunes hommes essaient de cambrioler une maison à Menton. Alors, déjà vu le nom de la ville, on sait que... ici, il y aurait 500 pédopires. Là, il y aurait 100 meurtres. Et là, il y aurait 200 vols. Et là, il y aurait 6666 bourrés. Faudrait peut-être que je fasse quelque chose alors. Le mec se fait interpeller par la police, mais le troisième, c'est cassé. Eh, hey, vous m'aurez pas, bande de potes. Et le troisième a oublié sa carte d'identité. Sur le lieu du drame. Comme un con, bordel. Et les flics l'ont repêché. Et voici le moment que j'attendais le plus. La police a déclaré que ça pouvait faire un film. Bon, bah, allons-y alors. En 2012. Alors comme ça, on prend une voiture qui, un, ne vous appartient pas. Et qui, deux, vous avez oublié votre carte d'identité dans la voiture. Comme un con. En 2013. Alors, comme ça, ou non. Eh, je vous ai pas déjà vu il y a quelques mois. Et en 2014. Alors, 2014. Putain, vous avez fini de faire le stupide qui a déjà l'Alzheimer. Vous avez 20 ans. Et vous avez déjà l'Alzheimer. Et en plus, votre nom, c'est Alzheimer. Et votre prénom, c'est Mec qui oublie tout. Alors, Monsieur Alzheimer, Mec qui oublie tout, comment pouvez-vous expliquer ça? Découvrez bientôt un mec de 20 ans qui a déjà l'Alzheimer. Vous savez, vous pouvez toujours compter sur moi, Monsieur Krabs, pour la recette du pâté de crabe. Bon bah, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bikini Bottom est très intéressant, tiens. Oh, c'est quoi ça? Recette du pâté de crabe? Oh, je suis le seul à avoir ça. Eh bien, je vais le vendre sur eBay. Putain, pourquoi j'ai oublié? J'ai mon bac à apprendre et j'ai plus que 20 secondes. Ça y est, j'ai une idée, j'ai compris. Et le meilleur pour la fin. Bougez pas, bande de petites putes de merde. J'ai un MacBook gratuit maintenant. Je vais partir où maintenant? Mais avant, je vais faire des... Oh, Ne croyez pas que je suis un pédobire, car... Avec quoi filmes-tu tes vidéos et peux-tu nous la montrer avec un miroir comme Cyprien? Alors moi, je filme mes vidéos avec un Canon 600D et j'ai pas besoin d'un miroir pour vous la montrer. De l'action, du suspense, le 6 juin 6666. On suit toujours dans notre pays. Bah quoi, tout est normal, on a Monsieur Leblanc. Alors déjà, j'ai envie de terminer cette vidéo par un what the fuck, puisque c'est quoi ça? C'est à la mode de prendre des noms débiles pour des affaires. Enfin bref, continuons la vidéo. Donc on a Monsieur Leblanc qui est architecte, mais sans diplôme. Pendant 30 ans, vous imaginez faire pendant 30 ans des... Si les murs parlaient entre eux. Et là, tu vois, il est jeté de la peinture blanche. Oh putain, le fantasme que j'aimerais avoir. Et toi, c'est quoi ta position préférée? Eh, mais tu croyais vraiment que moi j'allais donner ma position préférée ou quoi? Bon bah, si c'est comme ça, alors... Oui, l'article dit aussi, je cite, sans éveiller les soupçons, la Russie pendant 30 ans a construit des bâtiments importants supérieurs à 170 mètres carrés. Ça veut dire que... J'ai pas envie de toi en ce moment. Oh, mais c'est pas fini ce bordel ou quoi là? Quoi? Cette espèce animal ose éjaculer sur nous? Eh ben on va voir. Et pour finir, allons aux États-Unis encore une fois, où nous trouvons un prof qui a inventé un nouveau truc de malade, même que je suis encore plus excité que vous. Un prof qui a inventé la batterie à base de cocaïne. Tout ça a l'air normal, sauf qu'il y a un gros problème. Normalement, la batterie et toutes les autres pièces de merde, on doit les fabriquer en usine, non? Et donc, comme on est obligé de le fabriquer dans l'usine, eh bien, ça va sentir la grosse cocaïne dans l'usine. Et donc, dans le futur, les employés fabriqueront des produits qui ressembleront peut-être à ça. Salut à tous, alors aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage d'une... Alors, on va prendre PlayStation 4. What the fuck? Nous avons la notice. Alors, allumez votre console et bougez le stick analogique pour essayer de retourner votre copain qui est joueur 2 pour qu'il tombe son Galaxy S5 la première, pour qu'il balance un what the fuck, puis une explosion dans votre gueule. Ouais. Ensuite, j'ai pas envie de voir la suite, hein. Verser de l'avocat pour que le mec qui est coincé dans la PlayStation puisse casser l'écran de votre télévision achetée il y a une semaine et qui est de 666 euros et que ensuite
vous aurez un ami de merde pendant toute votre vie. Hein? Cet ami vous servira de vous comme une balançoire. Ça veut dire qu'il mettra son cul sur votre ventre. Oh bordel, ce sont des sados ou quoi? Et c'est la fin de l'émission. Vous attendiez à quoi? Ah oui, vous vouliez peut-être un... What the...